Et un des meilleurs contreurs de la ligue déjà. Mais t'es aussi déjà le meilleur joueur dans la statistique. C'est les comptes que tu gardes en fait, où tu gardes la possession. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta philosophie du contre et comment tu travailles sur cet aspect de ce jeu pour être le plus efficace possible? Je me rappelle avoir vraiment passé un cap à 15 ans avant le championnat d'Europe, U16, l'équipe de France. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance de pouvoir contrer, mais pas seulement son propre joueur en fait, pouvoir aider ses coéquipiers. Parce que avoir le pouvoir de sauver en fait certaines situations parfois. Et garder la possession, c'est quelque chose d'assez nouveau encore, qui date d'un an peut-être, même peut-être moins. Mais c'est vraiment dur à faire, mais c'est un bonus quoi, faire ça. C'est vraiment utile. Merci. Merci.